Salut à tous et bienvenue sur LIDJDJ E2M. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 mai 2021. Sachez que le lundi 24 mai, donc c'était en début de semaine, c'était la 200e vidéo. Donc voilà, donc celle-ci, si vous faites bien le calcul, ça fait la 202e vidéo. Voilà, bravo moi. Bon, sinon, qui est né un 26 mai ? Eh bien, il y a E.T. l'extraterrestre. Alors non, il n'est pas né un 26 mai, mais première apparition à l'écran du personnage de film, eh bien ce jour, en 1982. Qui c'est qu'on a d'autre ? Lenny Kravitz, quant à lui, est né en 64. Nous avons Dracula aussi, la première apparition du personnage en 1897. Et enfin... Allez, Horst Tappert, ouais bah c'est en allemand, j'ai pas rien. Voilà, et bah, il est né ce jour en 1923. Mais qui est-ce ? Me diriez-vous ? C'est Inspecteur Derrick, voyons. Bon, sinon dans les actualités, alors il n'y a pas de journée internationale, mais il y a des pépites quand même au niveau des actualités. La première, c'est... Bon, perso, je l'aurais pas fait. Mais bravo lui. Il y a un... Alors, je crois que c'est aux États-Unis. Il y a un homme qui retrouve un ticket gagnant d'un jeu à gratter. Quand même $1 million. Et puis, il rentre tranquillement à son propriétaire. Bravo. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui. En Autriche, il y a un chirurgien qui a amputé une jambe d'un patient. Bon, bah, jusque-là, ça peut arriver, hein. Sauf que c'était la mauvaise. Donc, les boules. Et sinon, en Espagne, il y a un homme porté disparu depuis quelques jours qui a été retrouvé mort dans la jambe. D'une statue de dinosaure. Ah, je vous l'ai dit, hein, les nouvelles sont passionnantes aujourd'hui. Puis après, non, on retombe sur le train qui arrive en retard. Bon, ça, c'était hier. Voilà. Béranger, c'est ta fête. Je te souhaite donc une bonne fête. J'annonce également très prochainement qu'un petit jingle, on va dire, qui sera récurrent désormais dans chacune de mes vidéos, un petit jingle d'intro, sera bientôt disponible. Voilà. J'espère commencer le tournage demain, mais on verra. Sinon, j'ai aussi prévu de me raser la barbe et de me couper les cheveux, mais ça, c'est autre chose. Bon, et ben sur ce, je vous dis à demain. Salut !